La revue actuelle présente. Manu Dibango, 30 ans de musique. Comme Dibango, ça sonne italien, ça sonne pas africain. Jeune Africain, vous avez 16 ans, vous débarquez en France pour être en pension, vous voulez vous brancher parce qu'en fait vous aimez la musique, vous rencontrez des azous, ils vous emmènent dans les boîtes de Saint-Germain-des-Prés, vous rencontrez le jazz, vous découvrez Coltrane, très tôt, Miles Davis, Charlie Parker, au début des années 50, vous jouez du saxo, vous appelez Manu Dibango, vous allez passer 10 ans dans le jazz. Imaginez ce qui se passe dans la tête d'un mec qui s'appelle Manu Dibango. Tout d'un coup, un soir, on vient le chercher dans sa boîte, on lui dit « Ça y est, ça a marché !» Ouais, ça, moi, c'est une histoire... T'es surpris quand même. Mais c'est vrai, que... Mais bien sûr. T'es aussi surpris que quand Lumumba est devenu Premier ministre. Bah oui, c'est un peu ça. Mama, 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 mama
mama sa mako makosa. Oh mama ko mama sa mama makosa. Yo. Et il faut pas oublier que quand même ce mec qui est complètement zinzin, parce qu'il s'est branché sur toutes les musiques qui passaient avec un bonheur mitigé, disons, mais il faisait toujours un ou deux tubes géniaux dans le type de musique auquel il se branchait, où il faisait 50% d'Africa, 50% de reggae. Bon, bah, ce mec, un jour, il part à la Jamaïque, sans aucun complexe. D'ailleurs, il est produit par Blackwell et Island Records, comme Bob Marley. Et il arrive, et il tombe dans la baraque de Bob Marley, et tout d'un coup, il prend une baigne. Beaucoup de gens sont dit, Manu va faire du reggae, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, les gens sont très entiers, au demeurant, c'est souvent bien, mais pour les musiciens, c'est très emmerdant. Que tu sois versatile dans l'art, que tu vois autre chose, les gens te mettent dans une catégorie et impossible de sortir de là. Indigo. Ça sonne mon âme. Aux États-Unis, mais reste que à Paris, c'est encore voilà plus. À Paris, le problème se posait parce que je dis parce que il y a certainement beaucoup de parce que non parce que incroyable mais vrai parce que les Français regardant tout ce qui naît en musique d'Angleterre aux États-Unis comme étant fondamental ou je sais pas quelle connerie quoi. Puis je dois te dire que le fait qu'un type comme Fela a 27 femmes, ça frappe les gens. Alors bon, d'accord, on vient voir le mec qui a 27 femmes. Peut-être que toi, tu en as 30, mais on ne le sait pas. We'll be right back.
semble que la preuve est faite maintenant que le son peut venir d'ici et partir ailleurs. Regarde les hit parades anglais. Amuse-toi à regarder Melody Maker, n'importe quel journal anglais. Actuellement, il y a les hit parades qui viennent de Paris. Ils s'inspirent de ça. Regarde les marchés imports que les Anglais maintenant. C'est eux qui viennent chercher des disques ici. Mais les Américains avaient prévu ça il y a une dizaine d'années puisqu'ils faisaient le tour. Comment est-ce qu'ils ont découvert Sol Makossa à ton avis? C'est parce qu'ils sont venus fouiller à Paris. Parce que Sol Makossa a été ici. Il a été fait ici. Anoumouna, si c'est à où Yassa Makossa. Amouna yeye, Amouna yeye, Koma, sa Makossa. Tanga tanga umbusa. Nessa Makossa Nikaso Mama ko mama sama ko Makossa 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 Right. Manu Dibango. Manu Dibango. C'est Manu Dibango, il est tout noir, il est chaud. Non. Thank you.
la 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 la. Alors, comme Dibango, Dibango, ça sonne italien. Ça sonne pas africain. Parlons un peu des musiques, puisque ce qui est frappant finalement dans l'ensemble de ce que tu as enregistré, c'est la grande absence qui caractérise ces disques des bacs à disques, pour la bonne raison que tu as eu des différends avec tes maisons de disques et qu'en plus, pour une raison incompréhensible, ils ont sous-estimé tes capacités à vendre des disques. Donc tu m'as donc donné là cette cassette. C'est un bon chiffre, c'est mon chiffre ça, tu sais ça. Toute l'œuvre de Manu Dibango jusqu'à une époque récente, sans parler donc du dernier album Sur Tension, et on pourrait peut-être en fait broder à partir de l'œuvre dans l'ordre. Je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. J'étais venu faire des études normales. Mais mes parents me voyaient professeur ou quelque chose comme ça. Enfin, tout sauf un métier marginal. Je devais être fonctionnaire parce que mes parents, mon père était fonctionnaire. Donc, il s'est sacrifié et tout ça. Bon, quand je dis qu'il s'est sacrifié, je mesure mes mots quand même parce que c'est vrai. Il fallait pouvoir envoyer un enfant non boursier en Europe en 48. Bon, 48, il y avait encore les tickets de tout ça, restrictions ici et tout. Moi, j'ai connu ça encore. Et quel effet ça faisait quand on était un Camerounais du grand empire colonial français qui débarquait à Paris? Oh, ben, ce qu'on avait entendu parler de la France, c'est qu'il n'y avait pas de terre en France, que tout était en ciment, que tout le monde avait la voiture, enfin, que c'était le paradis, quoi. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y a de la joie, partout y a de la joie. Bon, moi je suis arrivé par bateau à Marseille, au bout de 3 semaines, j'ai eu le temps de... Et puis quand je suis venu, j'ai traversé Paris parce que j'allais en province, Paris m'avait déçu à l'époque parce que je voyais les bâtiments très très noirs. C'était pas propre, quoi. Il n'y avait pas encore le ravalement à l'époque. Ça m'avait frappé. Et alors, sur les murs, je voyais Jacques Elian, je voyais des choses comme ça que je ne connaissais pas. Enfin, c'est ça qui avait comme publicité à l'époque, quoi. Sur une famille d'instituteurs assez marrante. Français ? Oui, 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 parce que mon grand frère avait un correspondant ici, et puis bon, je suis arrivé chez lui, il était instituteur, il faisait son service militaire à Montpellier, et il habitait la Sarthe. Il m'a donc amené dans la Sarthe, à Saint-Calais, à 40 km du Mans. Et bon, c'est là que l'histoire a commencé, quoi. Laquelle ? Mon histoire avec la France. Voici, sans plus attendre, le dernier cri de Paris. C'était le dernier cri de Paris. On m'a mis en pension, j'ai commencé. Et puis dans la pension, c'était assez dur, vu l'époque. Mais pourquoi il fallait se lever le matin, prendre une douche froide, faire de la gym? Entre autres, on avait un morceau de pain pour toute la journée. Il fallait écosser les petits pois pendant les pauses de l'école à midi, entre midi et une heure, ou quelque chose comme ça. Et puis
J'ai même été traire les vaches, j'avais des sabots et tout ça, mais c'est incroyable cette histoire. Je dois dire que j'étais vedette à l'époque parce que j'étais seul, noir, à je ne sais pas combien de kilomètres aux environs. Et ça, j'en ai voulu longtemps à mes parents parce que je suis resté 2 ans sans voir une peau noire. Et à cet âge-là, c'est quand même un peu difficile. Pourquoi ça te faisait quoi? Ça me manquait tout simplement. De toute façon, tout le monde était fils de tirailleurs ici, tirailleurs sénégalais, bien entendu. C'était l'époque de Yabon Banania et compagnie. Alors, mais ils me regardaient avec curiosité, bien sûr. Les mômes qui me disaient bonjour, ils allaient se nettoyer la main après. C'était gentil, c'était pas méchant. Du coup, ils allaient se nettoyer la main sans déconner. Sincèrement, oui, ils me disaient, oui, ils me serraient la main et puis ils allaient se nettoyer. Bah, ils n'avaient jamais vu un noir non plus. C'est comme en Afrique, quand les petits ils voient des blancs, bon, je ne dis pas qu'ils vont se laver les mains parce qu'ils ont de la craie. Bon, enfin, il y a quand même toujours une réaction de peau à peau qui est très marrante. Parce que les gens sortaient de guerre. Personne ne voulait plus voir ces problèmes-là. Alors, il n'était absolument pas question de racisme, d'ailleurs. Je n'en ai jamais entendu parler jusqu'au début des années 60. Alors, les camps de vacances, c'était bien, parce qu'à l'époque, il y avait une seule Afrique. C'est-à-dire, tu avais l'occasion de rencontrer ou des Sénégalais ou des Ivoiriens. Et des choses comme ça, ça fait que, avant les indépendances, on était beaucoup plus unis. On était d'abord de l'Union française, hein. On avait un passeport, Union française. Donc, les gens ne savaient pas où était la Côte d'Ivoire, ils ne savaient pas où étaient les Antilles non plus d'ailleurs. Mais ils savaient qu'on était noirs et c'était des braves noirs qui sont venus. Puis il y avait de l'argent aussi, il faut dire. Par rapport aux jeunes Français de l'époque, on avait beaucoup plus d'argent. Alors que la bourse, je me rappelle très bien que les bourses ici étaient de l'ordre de 7500 francs par mois. Et nous, à nous, on nous envoyait une histoire de 20 000 francs par mois. D'où la floraison des costumes, tout le monde était toujours bien habillé. On avait un certain nombre de tailleurs dont la publicité allait de bouche à oreille, gabardine bleue pétrole, tout ce qui était col 5e avenue. Enfin, on était très 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 bien habillé. On était des privilégiés quand même. Alors évidemment, ça ne pouvait pas durer longtemps. Kumbale, kumbale, amona, kumbale, 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 kumbale,
mounye ge mwe se Sasomana Dibango, dibango, ça sonne italien. Je ne suis pas africain. Comment dibango, dibango, ça sonne italien. Je ne suis pas africain. Comme dibango, dibango, ça sonne italien. Ça sonne pas africain. Donc ça fait quoi d'avoir la moitié du cerveau français et l'autre moitié africain? Je sais pas si ça se partage comme ça, mais ça fait Manu. Non, ça fait au moins un Manu. Ben, ça fait que je crois qu'on est un peu plus riche quand même. Mais ça rentre en conflit, ça s'entend bien, ça se serre la main, ça danse ensemble. Ben, c'est une histoire d'amour avec tout ce que ça comporte. D'accord. Et un peu latine ou plutôt calme? Oh, moi, tu sais, d'esprit, moi, personnellement, si je devais me... Je serais, par contre, dans ce sens-là, je serais peut-être pas tellement latin. Hein. Je serais beaucoup plus... disons, j'aime bien la méthode allemande. Je serais beaucoup plus... dans ce sens-là. Hein. Organisé. Oui, dans ce sens-là, les Allemands, ils nous ont quand même un peu frappé chez nous. Tu réfléchis, tu veux dire. Un peu beaucoup. Je ne sais pas, mais un peu plus organisé quand même. Posé. Non, non, c'est pas péjoratif, la méthode allemande. Attends, on est bien. J'ai juste 50 ans, alors j'ai pas connu l'autre. Par contre, mes parents ont connu parce que mon oncle, le frère de mon père, était instituteur du temps des Allemands. Il parlait allemand alors et tout? Ah oui, oui, oui. Dans ma famille, mes grands-parents parlaient allemand. Hein. C'était normal. Les Français sont venus qu'en 18, hein, finalement. Si tu veux bien voir. Oh, c'est à peine une pluie du matin.
Non, non, je t'assure, ils sont venus qu'en 18. Alors, le temps que les gens se réadaptent à ça et que la Société des Nations repartage encore le Cameroun en deux, une partie anglaise. Anglaise, une partie, tu vois, on n'était pas sortis de l'auberge. Bon, moi, comme ça, vous êtes polyglotte. Par la force des choses, on est au moins trilingue. Gomonye omundie, singa, singa, gandonye omundie, sasomona. Okumbele nya sese, hi oh, bana sasomona. So it's a indigo. T'es partisan de la méthode allemande alors? J'étais, je le suis toujours. Mais tu veux dire que tu n'arrivais pas à jouer du paso doble? C'est par la suite que j'ai aimé le paso parce que il y a des choses que j'aime bien en Espagne. Bon, alors après j'ai aimé un certain paso et je dois dire que j'aime bien le bandoneon comme son. Quand il est joué dans un milieu approprié, il a. Et puis le tango aussi, c'est une musique qui est très 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 attirante et dont on ne parle pas beaucoup, peut-être qu'elle n'a pas évolué énormément, mais c'était aussi une musique qui avait énormément de caractère. Et de force à l'époque, c'était la danse sexy quand même. En plus, ouais. En plus. Ça ne courait pas les rues à ce moment-là. Ça c'était les Latin Lovers, Latin Lovers. Quand il y avait des boîtes ici, quand on descendait à Paris, on allait à la rue de Lappe, là, parce que c'était encore les endroits où tu voyais encore des apaches, quoi. Et alors, qui étaient devenus alors professionnels de la danse et tout ça, et qui mimaient des bagarres. Avec des foulards, des couteaux. Voilà, il y avait tout ça. C'était devenu donc un truc de scène. C'était sur la casquette. C'était récupéré, quoi. La casquette, les favoris. Et les Américains qui venaient regarder. Il n'y avait pas que, il y avait nous aussi. Manu Dibango. Manu Dibango. Et quand tu jouais dans l'orchestre, tu faisais jouer toutes les musiques ou pas? Ah, j'étais obligé de jouer tout. Et pour les tangos et tout ça, je faisais la basse. Je jouais la contrebasse. Il n'y avait pas encore d'électricité dans les basses. Et rares étaient les guitaristes qui avaient encore des amplis potables, quoi. À l'époque, ils avaient des petits steamers, là. Mais on jouait toutes les danses par série. Alors, ma série à moi, c'était quand arrivaient les slow et le jazz, quoi. C'est là où je me réveillais un peu. Sinon, le restant du temps, je gagnais ma vie. Je mouillais ma chemise, quoi.